Bienvenue au cours en ligne, je suis Barbara de chez LPB Carton. Aujourd'hui, je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce tabouret en carton. Donc d'abord, on nous a commencé par un crayon, une gomme, des lames de cutter, un scalpel, une paire de ciseaux, une règle de coupe, un réglé. Vous pouvez avoir aussi besoin d'une règle comme ça, règle créa règle, elle n'est pas obligatoire, mais elle sert bien, en fait, elle sert aussi d'équerre. Ensuite, une éponge et son petit bac pour retenir l'eau, du craft gommé. Qu'est-ce que le craft gommé? C'est du craft avec une partie en collé, avec de la colle, et pour qu'elle devienne active et qu'elle se mette à adhérer au carton, on la mouille. Donc il faut mouiller le craft pour que ça colle. Une cale à poncer avec un gros grain, environ 80, et un grain plus fin, à peu près 180. Des tubes de colle et un pistolet à colle. Et bien sûr, pour protéger votre bureau, un tapis de coupe, de préférence en A0. Ensuite, vous aurez besoin d'un carton double cannelure. Le carton double cannelure a une caractéristique, c'est qu'il possède deux plaques de carton qui sont ondulées, séparé par une feuille de carton et le tout possédant une plaque de carton au-dessus et une feuille de carton en dessous. Donc ensuite, le carton double cannelure, c'est très important, c'est qu'il a un envers et un endroit. Donc c'est-à-dire que là, vous avez l'endroit du carton, c'est souvent là où il y a la publicité et tout ça. Et l'envers du carton, voilà, là où on voit en fait les cannelures apparaître. C'est en fait, ce qu'on voit, c'est la colle des cannelures en transparence sur l'envers du carton. C'est la partie la plus fragile, c'est celle que lorsqu'on décore, si on l'humidifie de trop, elle ondule en fait. Alors que celle-là, étant plus épaisse, vu qu'il y a la publicité et tout ça, en fait elle est plus épaisse et donc quand on l'humidifie avec de la peinture, elle n'ondule pas. Voilà, donc pour réaliser le tabouret, j'ai prévu deux grandes plaques de carton et puis des petites plaques de carton pour faire les traverses. Je vous expliquerai à la prochaine vidéo. Merci!